Salut tout le monde, j'espère avoir le temps. Donc je vais vous parler d'une affaire, enfin d'une affaire, de ce que j'ai entendu récemment sur les réseaux. Je sais pas si vous connaissez Ariana Grande, la chanteuse quoi. Elle avait, alors là, alors donc dans une interview, elle confie avoir été fascinée par les tueurs en série, tout particulièrement pardon par Jeffrey Dahmer. À l'occasion de son passage dans un podcast, elle révèle avoir été fascinée par les tueurs en série il y a quelques années avant de partager une anecdote surprenante. Une situation embarrassante. Invitée sur un podcast, la pop star Ariana Grande, 30 ans, a fait une étonnante révélation. J'ai été fascinée par les tueurs en série quand j'étais plus jeune. Alors, il y a des gens qui sont fascinés par les tueurs en série dans les films quand c'est fictif, mais là, quand c'est du vrai, c'est pas pareil. Hein. Plus particulièrement par Jeffrey Dahmer. Ouais, d'accord. Je pense que j'aurais aimé le rencontrer. Peut-être avec une tierce personne, donc pour ceux qui enfin, de toute façon, ça sera pour une vidéo pour les plus grands. Donc, ça sera avec quelqu'un, quoi, en fait. Elle aurait préféré rencontrer avec quelqu'un à côté, heureusement. Ça, je suis en série, quand même. mais j'aurais eu des questions, j'aurais aimé. Pour mémoire, surnommé le cannibale de Milwaukee, Dahmer a avoué avoir... entre la fin des années 70 et début des années 90, avoir tué 17 personnes. Il est décédé en prison en 1994. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. C'était une petite vidéo comme ça, mais là, rien à grandir. J'essaierai de voir pour faire un peu plus long sur la vidéo. J'essaierai de...